Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle ouverture. On va encore une fois tenter de choper le Giratina Alternate dans Origine Perdue. J'ai donc 8 boosters ainsi qu'un booster Tempête Argentée que j'ai trouvé à la Fnac. C'était le dernier dans le rayon, donc voilà, il m'a fait de la peine, je l'ai pris. On verra bien s'il y a un petit hit à l'intérieur. Donc voilà, sans plus attendre, on commence avec les boosters Origine Perdue. J'ai eu beaucoup de chance dans cette ouverture, j'ai aussi eu beaucoup de doubles, hein, vous savez, pour ceux qui ont participé au concours. Mais j'ai toujours pas eu ce Giratina Alternate qui est juste splendide. Donc voilà, je ne désespère pas, on continue. Et ces boosters proviennent d'une display chez une buraliste. Alors en fait il y avait une display entière et une demi-display. Donc voilà, j'ai pris 4 boosters dans chacune d'entre elles. Et après que j'ai payé, elle m'a dit qu'en fait elle avait réuni les boosters dans la display. J'ai pas trop compris ce qu'elle voulait dire par là, mais bon, ok. Ok, on commence, je suppose que c'est Mistibule. Non, Amo Vénus V, trop cool, je ne l'avais pas. Et je sais pas pourquoi j'étais persuadée d'avoir Mistibule, s'il est bien dans Origine Perdue, il me semble. Ok, trop cool. Donc personnellement, bon, on va voir déjà cette... ma code noire, trop bien. On va voir un peu cette ouverture, mais j'aime bien cette technique au final de choper des boosters en loose dans une display. Je me dis que ça vaut la peine. Et que niveau du taux de drop, il est quand même meilleur du coup. À défaut du coup de pas acheter de display. Alors, Hippotrempe, Meditica. Ok, Reverse. Et une petite Rafflesia en holo. Ok, on prend. Ça me va. Alors. Pour l'instant, ça commence bien. J'espère que. Que ça va continuer. Hop, 2 et 4. Allez, je la sens bien cette ouverture. Hypocéant, Pikachu, Machoke, Blidi, Lipoutou, oups, Finessir. Bon, on a vu qu'on a une reverse du coup de Blidi encore. Ouf, ah ouais, trop stylé. Ok, je sais pas du tout qui ça peut être. Bon, je sais du coup que c'est pas Giratina, mais c'est trop bien. On y va doucement. Ah, je sais pas du tout qui est en rainbow vu que je suis pas hyper fan de ces cartes. Mais moi c'est un Pokémon. Allez. Oh, trop beau. Kyurem VMAX. Je suis trop contente. Elle est magnifique. Non, franchement, trop stylé. En plus, c'est un Pokémon parce que les objets, bon. Trop stylé. Ok, bah écoutez, troisième booster. Pour l'instant, c'est vraiment excellent. Les rainbows, j'en ai pas eu, c'était le gold. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas eu de rainbow en plus, donc c'est cool. Ça complète la collection, évidemment, je ne l'avais pas. Hein. Pas besoin de vous le dire, mais pour ceux qui ne savent pas. Ok, je suis contente. Alors, Chimera, Energy Cadeau, Blizzaroi, Sans Coquille, Queenfouin, Fantominus, Elionceau, hop. Quanton en reverse, un Volcaropod, j'ai bugué, et un Rongrigou. Ok, alors donc ça c'était les 4 boosters de la demi-display, je crois. Bon, peu importe. Donc franchement, c'est cool. Et en plus, elle est chou, la buraliste, elle m'a donné à chaque fois une illustration de chaque. Je crois qu'elle commence à être habituée. Bon, pas forcément à moi, mais aux gens qui viennent acheter des boosters. Donc c'est cool. Alors, Porygon, Quanton, ok. Larvadar, Écaillon, du coup, pas de TG, caisse à outils et une rare de Dolman. Ok. Ok, Dolman, bon, c'est pas vraiment. Oui, c'est un Pokémon, ok, d'accord. Pokémon Caillou. Alors, le code est... C'est parti. Allez. Énergie, combat, Roserad, Colimucus, Lamperois, Blidzy, Machoke, Pikachu, Poutou. Ah, Finessir, je suis désolée pour les spoils à chaque fois de la reverse, mais bon, on n'a pas du coup de TG. Et un Percupio en holo. Ok.
Je vais mettre là, Perclipio. Allez, avant-dernier booster, Origine perdue. Je crois que je vais finir par l'acheter au final, hein, ce Giratina, mais bon, déjà au prix où il coûte. Et puis c'est tellement plus satisfaisant de le choper dans une pioche, quoi. Oh là là. Il y a un pote qui m'a dit, il a acheté un booster en loose, en blister, je crois à Carrefour, un truc comme ça. Giratina. Un booster, un Giratina. Ok, ça fait plaisir. Je sais pas à combien de boosters on est. Toujours pas de Giratina, mais bon, écoutez. Ça arrive, hein, sans coquille, mais le Delph et un Raichu. Ah oui, il y a Raichu. Ok. Ok, je sais pas pourquoi je suis étonnée de le voir. Hop, ok, allez. Hop là, je défonce le booster, n'importe quoi. Dernier booster. Origine perdue et on terminera du coup par Tempête Argentée. Luigia, si tu veux être dans ce dernier booster. Et en plus, c'était vraiment le dernier booster. Du coup, je l'ai trouvé à la Fnac, dans le rayon. C'était vraiment le dernier. Je me suis dit, allez, le pauvre. Faut pas qu'il reste tout seul. Donc voilà, on verra si j'ai bien fait. Ah, Zorua de Isui. Je sais pas si vous voyez, mais ça brille. Ça brille comme on aime. Je ne sais pas. Vestar. Je me souviens même plus des Vestars qu'il y a dans cette extension. Genre, allez, on y va. 3, 2, 1. Ok. Miplodocus de Isui en Vestar. Il me semble que je l'ai déjà. Mais j'ai un doute. J'ai vraiment un doute. En tout cas, elle est magnifique. Très jolie. Ok, franchement, Origine perdue, j'ai bien fait, ma technique fonctionne en tout cas. Donc maintenant on va voir avec Tempête Argentée. Je suis vraiment trop contente en vrai pour le cuir, je réalise quand même, c'est tellement rare de les avoir, ces rainbow. Bon, les gold aussi, hein, ces derniers temps, c'est un petit peu ce que j'ai, mais c'est cool. Allez, on se spoile pas. Et c'est parti pour le dernier booster. Okay. Il commence à faire du vaudou. Mince. Ok. Oui, le vaudou, pourquoi pas. Hein. Ah, Raichu. Ah, bah, c'est marrant parce que ils l'ont mis genre dans Origine perdue et dans Tempête Argentée. Oui, Messire. Vorastéri. Feu faux rêve. Ah, ne te spoil pas. Tilton, ok, Dracolos, très joli reverse, non, quart de voir, d'accord, j'aurais dû te laisser dans le rayon, Goupix. Voilà, le résumé de la pioche, hein, vous inquiétez pas, je vais les sliver, vous inquiétez pas, elles vont être protégées. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi laquelle vous préférez, moi c'est clairement Cuirem. Bah, Miplodocus, en vrai, je crois que je l'ai, mais très joli. Et puis, Yamo Venus, je ne l'avais pas, donc ça, c'est cool aussi. Ça complète le set. Et voilà pour cette ouverture. C'était assez rapide, mais j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!